Maintenant, devez comprendre quelque chose de très important. La nouvelle créature a une langue et a un langage. La nouvelle créature a quoi? Un langage. Amen. Toute personne qui n'est de nouveau pas absolument le comprend. Quelle est la langue de la nouvelle créature? Quelle est la langue de la nouvelle créature? C'est aussi ça. Le pardon de notre langue. Alléluia. Mais quel est le langage de la nouvelle créature? La nouvelle créature est un langage. Vous devez absolument attraper. Vous savez, j'ai dit souvent, comment un chien se défend? Si tu viens attaquer un chien, comment le chien va se défendre? Hein? Si tu viens attaquer un chien, comment le chien va se défendre? Il aboie, il fait quoi? Merci mon mari, Jacques. Si tu viens attaquer un serpent, comment le serpent? Un serpent qui a le venin, comment il va faire? Il va essayer de mordre. Est-ce que si tu attaques l'enfant d'un chien, ça va être ainsi? L'enfant d'un serpent, ça va être ainsi? Vous êtes sûr? Mais non, je te dis que si tu attaques Dieu, comment Dieu combat ses ennemis? Hein? Comment Dieu combat ses ennemis? Dieu se défend par sa parole. Tu me suis ici? Alors si tu es enfant, un enfant de Dieu, tu dois faire de même. Un enfant de Dieu ne se défend pas avec les coups de poing. Ce n'est pas la force absolue. Un enfant de Dieu se défend avec quoi? Ses paroles, en utilisant sa bouche. Maintenant, il y a deux choses. Il y a la langue et le langage. La langue d'un vrai créature, c'est quoi? Naturellement, le pardon de notre langue. Alléluia. Le pardon de notre langue, c'est quoi? La capacité surnaturelle à parler diverses langues. Et donc, l'une de ces langues, il y a une langue qui est la langue de Dieu. La langue où, lorsque tu parles, il n'y a que Dieu qui t'entend. Alléluia. Mais non, le langage d'un vrai créature, c'est le langage de la lumière. Le langage de la vie. Alléluia. Le langage positif. Tu me suis ici. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à parler mort. Un enfant de Dieu est appelé à parler vie. Et c'est quoi parler vie? C'est parler en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, un enfant de Dieu n'est pas appelé à dire je suis malade. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à dire je suis pauvre. Parce que ça, c'est pas le langage de la vraie créature. Tu me suis ça? Un enfant de Dieu ne parle pas en désaccord avec la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours parler en accord avec la parole de Dieu. Amen. Tu me suis ça? Amen. C'est le pilier de la vie chrétienne. Lorsque tu sais comment tu dois parler, parce que tu te défends par ta bouche. Dieu crée la réalité à travers ses paroles. L'enfant de Dieu crée aussi la réalité à travers sa parole. Qui me suit? Si tu es un enfant de Dieu, tu dis tout le temps, je suis pauvre, je suis pauvre. Même si tu es déjà dans une situation où tu n'as rien, ne t'inquiète pas, tu vas encore descendre. Qui me suit? Si tu es un enfant de Dieu, tu es malade, tu continues à dire, je suis malade, ne t'inquiète pas, tu vas te fendre dans la maladie. Parce que tu as tout le pouvoir de tes paroles. Amen. Un enfant de Dieu ne dit pas ce qu'il vit. Tu me suis dit. Il ne dit pas ce qu'il vit dans le moment présent. Un enfant de Dieu crée ce qu'il veut vivre. Amen. Tu me suis dit. Donc tu envoies tes paroles pour créer ton environnement. Amen. C'est pourquoi ces enfants de Dieu, leur prison, ce sont leurs paroles. Pourquoi? Ils se sont emprisonnés à travers leurs paroles. Ils ont tellement parlé que leur parole est devenue la réalité. Est-ce que tout le monde me suit ici? Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir comprendre cette réalité. Que tout ce que je dis est une réalité. Même si tu dis en jument, tu sais, là où tu me vois maintenant, je suis malade. Je ne dis pas ça de moi, je suis en train de prendre l'exemple. Qui me suit ici? Je suis plein de santé divine. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même si tu dis ça en blaguant, tes paroles ne connaissent pas le jeu ou le sérieux. Jésus dit, le jour de jugement, les hommes rendront compte de toutes les vaines paroles qu'ils auront proférées. Parce que toutes les paroles sont comptées. Dès que tu ouvres ta bouche, c'est tenu compte. Je vous ai fait comprendre que le jugement n'est pas quand Dieu va venir. Le jugement, c'est lorsque tes paroles
ont suffisamment décrit quelque chose de clair dans le monde spirituel, et que cette chose est enfantée dans le monde physique, c'est dans le jour du jugement, où tu rencontres tes paroles face à toi. Avance, mon frère. Qui me suit ? Amen. Tout enfant de Dieu doit prendre très au sérieux ses paroles. La médiocrité de ta vie, la bassesse de ce que tu es, ce que tu es ressemble à tes paroles. Qui me suit ? Amen. Moi, bien sûr, ça. Tu changes tes paroles, tu changes tes réalités. Amen. Ça veut dire que vous ne pensez pas, ce message, ils ne vont pas écouter. Ils vont juste aller jouer avec les paroles. Mais Dieu nous dit que c'est vrai. Prophète dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime, on mangera le fruit. Dieu ne dit pas que la vie et la mort sont pour. Contrôlé par Dieu lui-même, non. Il dit sous le contrôle de la langue. Il dit quiconque on aime, on mangera le fruit. Seigneur, malheureux, c'est Seigneur, tu as décidé que je meurs aujourd'hui. Dieu m'a dit, je n'ai jamais décidé que tu meurs. Dieu dit, il m'a dit, Dieu, mais pourquoi je suis mort? Il m'a dit, tu as créé ta propre mort. Par quoi? Par tes paroles. Tout ce que vous lierez ici-bas sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez ici-bas sera délié dans les cieux. Dans cette vision, avant la fin de l'année, pendant que j'étais en train de prier, je préparais la fin de l'année. Dieu m'a confronté dans une vision. Il m'a dit tout ce qui existe dans le monde, je ne suis pas l'auteur. Ou du moins, je ne suis plus l'auteur. Il me dit les hommes font du monde ce qu'ils veulent. Ce n'est plus moi. J'ai donné le pouvoir qu'ils agissent. C'est des personnes qui disent, oh, tu sais, la vie est comme ça. Il y a les temps de prospérité, les temps de pauvreté. Il y a les temps de maladie. Dieu dit, c'est pas lui. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Et donc, on aime, on mangera le fruit. Qui me suit ce soir? C'est pourquoi je fais tellement attention avec mes paroles. Je refuse de condamner ma vie. Je comprends le pouvoir de mes paroles. Nous allons faire le programme de guérison dans peu de temps. Je viens de faire des gens guéris. Et quand je fais pas les gens guéris. Amen. Si mes paroles peuvent changer de situation, de maladie, quand même contre le pouvoir de ces paroles, je refuse de me concentrer avec mes propres paroles. Certains parents condamnent leurs enfants. Certains parents poussent leurs enfants. Ignorant de la vérité et de la connaissance des lois divines. Alléluia. Ils ont condamné leurs enfants. Alléluia. D'autres ont béni. Alléluia. D'autres enfants sont allés comme des étoiles. Parce que les parents les ont bénis. Qui me suit ici? C'est vos parents. Bénissez vos enfants. Parce que si tu ne bénis pas, tu ne sais pas combien de sorciers sont en train de comploter sur ton enfant. Alléluia. Gloire à Dieu, vous êtes bénis ici, alléluia. Amen. C'est très important de comprendre ce message maintenant. C'est très important. Les papas qui disent, oh moi je suis là où je suis là, je n'ai même pas 5 francs. Et tu vas voir que parce qu'il a l'argent, il va se mettre dans une condition, il n'a même pas 5 francs. Ça va être la routine. Toi tu as un salaire, tu n'as jamais 5 francs. Parce qu'il part. Maintenant, nous, encore, on est conscient de ça. On refuse de considérer ce qui se trouve dans nos poches aujourd'hui. On sait que notre argent, c'est pas ce qu'on possède. C'est ce qui sort de notre bouche. Ah! Tu me suis ici. Ma richesse, c'est mes paroles. Mes soldats les plus fidèles. Mes soldats les plus fiables. Ce sont mes paroles. Quand personne ne combat pour moi, le Seigneur m'a donné la capacité de libérer les soldats. De mes soldats, ce sont mes paroles. Ah, non, 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 non. Ils sont en mission. Ils sont en train de me faire une voix. Ils sont en mission. Ils sont en train de me rapporter de bonnes choses. Ils m'emmènent des richesses. Ils sont en train de me faire une voix. Mes paroles sont en mission. Oh, gloire à Dieu. Mais non, bien, c'est paradis. Les gens sont en paradale. Je prends la parole de Dieu au sérieux. Je reconnais la vérité de la parole de Dieu. Et je viens avec cette conscience. Je dis combien de fois
Oh, prophète, tu sais t'as mis seul à ça. Je dis, c'est une illusion. Combien de choses j'ai changé avec mes paroles? Combien de témoignages? Regardez ce qui s'est passé dimanche. C'est comme ce qu'on dit non, c'est pas vrai. Comment il va parler, il va être le seul et il va sortir. Le fond dit, c'est pas vrai. Mais moi, c'est le pouvoir des paroles. Qu'est-ce qui me donne l'audace de parler et je sais avec assurance que ça va se produire? C'est quoi? C'est la conscience que j'ai. Amen. Mais nous, ma conscience peut être une deuxième dimension. Ou pendant que je vous parlais, l'ange de Dieu me dit, passons, ça va se faire. Dieu est ceci. Elle dit que la dimension est sujet dans la coopération. Qui me suscite pas? Vous êtes là, vous n'écoutez pas la voix, moi j'entends la voix de l'ange. Alléluia, Seigneur. J'aime juste d'accès sur ce message. Ce message est le centre du christianisme. Qui me suscite? Tu te sens faible. Il dit que le faible dit que je suis fort. Que le pauvre dit que je suis riche. Non, ne dis pas ce que tu vis. Dis ce que tu veux vivre. Ah, ça verra, de l'oum, de l'Ephésia. Qui me suit ce soir? Je suis en train de comprendre, je suis en train de créer mon avenir. N'oubliez pas, nous sommes en train de quoi? Du nouveau monde. C'est pas Dieu qui va créer le nouveau monde pour toi. C'est toi qui crée ton nouveau monde. Des miracles de police vont se produire. Nous allons prendre des noms de poche. Peu importe Alpha. Mes paroles sont en mission. Par la puissance du Saint-Esprit. Mes paroles me feront voir. Je suis instoppable. Je suis instoppable. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Wouh! Wouh! L'ombre a gardé. Il n'y a pas des intrus ici. Hein? Il n'y a pas des intrus ici. Je l'ai dit en 2023, je pense que début 2023. 2022, 2023.